Tout ce qu'il a fait pour la ville de Lausanne, c'est super. C'est celui qui a réussi à mettre sur pied un métro à Lausanne. Ça a été un grand architecte pour la ville. Il me donne une très très bonne impression. Je trouve qu'il fait du travail très positif pour Lausanne. Écoutez, ce qu'il a fait pour la ville, personne ne l'a jamais fait auparavant. L'homme à la hauteur, l'homme à la hauteur. Brillant. Camarade. Rassembleur. Très professionnel. Un homme d'action. Qui a la politique du bon sens. Personnalité fiable. L'homme à la hauteur. Olivier Français, le PLR Olivier Français. Monsieur Français, valeur sûre. Olivier Français, c'est vous. Olivier Français, merci d'être avec nous. Ce projet a vu le jour uniquement grâce à l'entente politique et au respect des uns et des autres dans notre canton. C'est vrai que c'est une superbe expérience humaine. Amis d'études, amis de travail, compagnons pour des projets, Olivier Français, c'est tout ça. C'est un type qui réagit plus vite que nous, il voit les choses, il est entrepreneur, il fonce et il sait ce qu'il faut pour notre avenir. Il était secrétaire général du Parti radical lausannois, j'en étais la présidente. Il a largement contribué par son travail, par son engagement à faire élire Jacqueline Maurer, première femme conseillère d'État dans le canton de Vaud. Grâce à lui, le M2 a existé, le M3 va exister. Olivier Français, c'est l'homme de demain pour les infrastructures. Donc c'est quelqu'un toujours à l'écoute des autres, qui peut aller toujours au bout de ses pensées. Tant dans sa vie privée que professionnelle, M. Français assume entièrement ses choix et ses promesses. Je me mets à droite, je pense, bien. C'est un client très très sympathique, très respectueux. Et qui sait toujours ce qu'il fait et ce qu'il aime, c'est-à-dire aller de l'avant. Il va au bout de ses engagements. C'est une personne en qui l'on peut avoir entièrement confiance. Comment on peut faire un trou dans un pont il y a une centaine d'années sans le faire tomber? J'ai tout le temps vu Olivier Français travailler avec sa tête. Et je serais heureux de le voir travailler une fois avec ses mains. Je crois que le canton de Vaud ose, il croit en son avenir et il prend le taureau par les cornes pour le 21e siècle. Tout seul, on ne fait rien. En équipe, on peut faire beaucoup. Merci à vous, merci à tous les travailleurs qui ont œuvré aujourd'hui. Et au prochain tunnel. Monsieur Français, total respect.